Je m'appelle Mélodie Blanchette, je suis hygiéniste dentaire, j'ai 35 ans. Mon conjoint Frédéric Gauthier, qui est ingénieur civil, qui a 34 ans. On a un petit bonhomme biologique de 5 ans, qui se nomme Mathéo. Et on a deux cocottes en famille d'accueil, qui ont chacune 2 ans. Je suis enceinte en 29 ans, puis ça a quand même été assez facile. Ça a pris quelques mois dans la normalité des choses. Puis j'ai accouché à 30 ans de notre petit garçon, une grossesse qui a été vraiment exemplaire, une très belle grossesse, même si j'ai pas beaucoup aimé être enceinte. Quand Mathieu a eu son 1 an, on a déjà essayé pour avoir un deuxième. Et là, 6 mois passent d'essai, 1 an passe d'essai sans résultat, et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la prise de médication me tente? Est-ce que la prise de rendez-vous, quand même assez régulier, nous tente? Me tente? Non. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On va adopter à l'international. C'était notre but. Notre premier projet initial, c'était probablement ça. Aller adopter à l'international, parce qu'adopter au Québec, c'est très difficile et c'est très long. Le temps du COVID est arrivé, il parlait énormément de recherche de famille d'accueil. On s'est dit pourquoi pas? Pourquoi on ne deviendrait pas famille d'accueil pour aider un coco ou une cocotte de notre coin, de notre région, du Québec? Papa. Tant que tu as l'envie de devenir et la disponibilité pour ces enfants-là, n'importe qui, que ce soit des couples, homosexuels, monoparentales, ça peut être n'importe qui, appartement, des gens qui vivent en maison. Chaque enfant doit avoir sa chambre. On ne peut pas avoir une chambre et mettre 3 enfants en famille d'accueil dedans. Le moment où tu décides de vraiment entamer les démarches, le moment officiel, tu te dis, oh, ça y est, je donne mon nom, je donne mon numéro de téléphone, je vais attendre qu'il me téléphone. J'ai les larmes aux yeux juste à y penser. C'est vraiment un moment d'émotion, énormément. Tu te dis, hey, ça y est, ils vont me contacter, ça y est, on va. Tu sais, c'est vraiment l'étape officielle, de dire, OK, là, on en a discuté, on en a parlé avec nos familles, et on a eu des remarques mitigées, toutes sortes de commentaires, des gens qui nous félicitaient, qui nous trouvaient donc bon, donc généreux de devenir famille d'accueil. Puis d'autres personnes disaient, ah oui, mais là, tu vas avoir des enfants en problème. T'as-tu pensé à ton garçon biologique? Peut-être que ça va impacter la vie de ton garçon biologique. D'avoir des enfants peut-être à problème, parce que souvent, malheureusement, les enfants DPJ sont souvent étiquetés comme des enfants à problème. Mais ça fait partie de la game. Tu sais jamais, tu accueilles l'enfant, tu le prends comme il est, tu l'intègres à ta famille comme il est, tu sais. Est-ce que tu veux être 2 types de famille d'accueil, banque mixte ou banque régulière? En discutant avec Frédéric, nous, ce qui nous rejoignait le plus, c'était une famille d'accueil en banque régulière. Donc, on est prêt à accueillir des enfants en sachant très bien qu'il y a des chances qu'ils repartent. Tandis que ceux qui sont en banque mixte, famille d'accueil banque mixte, beaucoup plus de chances d'adoption, les enfants restent sur le long terme. Mais c'est pas garanti. Janvier passe et là, on a eu notre premier appel pour un placement le 8 février 2021. Je suis au travail, c'est un lundi matin, et il me téléphone, il me dit « Mélodie, on a un placement pour toi. » Ah, oh, mon Dieu, le cœur! Elle m'a fait 15 tours. J'ai dit sérieusement, elle dit oui. Elle dit 2 garçons. C'est une fratrie de 7 et 9 ans à l'époque. Et là, les enfants arrivent dans l'après-midi, assis à la table de cuisine, chacun avec une intervenante ressource, moi, la table est remplie dans la cuisine. C'était leur premier placement, ils n'avaient jamais été en famille d'accueil. Ils sont retirés de l'école le matin, ne sachant pas pourquoi. Et là, on leur dit, bon, mais vous allez être en famille d'accueil. Et mon Dieu Seigneur, j'ose imaginer ces enfants-là, le traumatisme que ça a été pour eux. D'être retirés de l'école, d'arriver avec des intervenantes, de se faire dire, bon, mais écoute, ce soir, tu dormiras pas à la maison. À partir du lundi où je les ai accueillis, le lendemain, OK, demain, ils ont de l'école. Il faut que je fasse les devoirs ce soir. Il faut que je fasse les lunchs.
Je te rappelle que j'ai un enfant de 2 ans, je connais zéro le milieu scolaire. Faut que je contacte l'école. Et là, c'est go. Là. Honnêtement, là, pour être famille d'accueil, faut que tu sois. Puis je l'entends souvent, faut que tu te reviennes sur une scène. Faut que tu sois un système D, faut que tu sois un débrouillard. Puis c'est souvent comme ça. Le placement arrive, c'est souvent la journée même. Le lendemain matin, à 5 heures du matin, il était déjà habillé, il était prêt à aller à l'école. Eux, c'est comme ça qu'ils l'ont pris. Mais après 2 semaines, ça s'est placé un peu, là. Ça a été des amours. Je les ai tellement aimés, ces affaires-là. Je pense que j'ai jamais su à 100% comment ils l'avaient vécu, l'arrivée en famille d'accueil. Mais finalement, c'est ça. Ça a resté 8 mois, presque 9. Avant même que les garçons soient partis, je pense 2 jours avant que les garçons partent, on a déjà eu un appel pour un autre placement. C'est un vendredi, ils m'appellent et m'ont dit « Mélodie, écoute, on aurait un placement d'un petit bébé naissant. » Et là, ils me disent « OK, le placement va peut-être avoir lieu aujourd'hui, peut-être demain ou peut-être lundi. Prépare-toi. » OK. Et là, elle est née la veille. Donc, je vais l'accueillir. Elle va avoir seulement quelques jours de vie. Elle est toute petite. Et là, OK, là, on passe d'un processus de 2 grands à un bébé. La coquille, les couches, les biberons. Il faut que tout soit préparé. Et là, ils me disent, Mélodie, est-ce que ça te conviendrait, si t'es à l'aise, que les parents biologiques soient là pour venir la porter? Elle dit, les parents, tu sais, ils savent, ils sont corrects, tu sais, il n'y aura pas d'esclaves, il n'y aura pas, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des pleurs, mais tu sais, les parents aimeraient ça venir porter la petite à la maison. Puis on s'entend, c'est normal. Moi, en tant que maman, je confierais la vie de mon enfant de 4 jours à une autre famille. C'est sûr que j'aimerais ça savoir où cet enfant-là s'en va, tu sais. Quel genre de famille va accueillir ce bébé-là? Donc, les parents biologiques étaient là. Ils sont venus avec l'intervenante. Même principe encore, ils les accueillent dans la cuisine. Cette table de cuisine-là a vécu beaucoup de choses. Les intervenantes, les parents biologiques arrivent avec leur bébé. Et là, qu'est-ce que j'aimerais en tant que maman qu'on me dise si c'était moi qui avais un enfant placé? Donc, je leur ai fait visiter la chambre. Voici la chambre où votre enfant va dormir. Voici le Moïse où votre enfant va dormir. Voici les vêtements que j'ai achetés pour votre enfant le temps qu'elle soit là. Je voulais les mettre en confiance puis leur dire que j'allais en prendre soin de ce petit bébé-là. Je prends mon bébé naissant et je te le confie à toi. Mais quelle responsabilité que j'ai! Hey, Seigneur, c'est grand là, de prendre soin de cet enfant-là. Mère était déjà à la maison. Donc, elle, c'était ma garderie. Elle en a pris soin pendant deux semaines. Ma mère est restée ici 2 semaines pour s'occuper de la cocotte. Si la petite était restée, bien, il aurait fallu, oui, que je reste, que je délaisse mon travail pendant un certain temps pour en prendre soin. Oui, ça a été quelque chose. Et la petite est restée 2 semaines à la maison avant de repartir. Et ces 2 semaines-là, tu te lèves aux 2 heures, ça, c'est un bébé naissant. Tu fais tout, tu donnes tout pour cet enfant-là, le temps qu'elle est chez toi. Tu sais qu'en ayant un temps famille d'accueil, il va y avoir des départs, ça vient avec. Ça t'empêche pas d'être très émotive et de trouver ça très difficile. Et ça prend quand même un certain temps, là, vraiment. Je pense que ça a pris au moins un bon 2 semaines avant que je reprenne le dessus de mes émotions. OK, bon, c'est correct. Elle est partie. On continue le processus. Ma mère était découragée. Elle me disait, Mélodie, elle dit, moi, j'abandonnerai d'être famille d'accueil. J'arrêterai ça là. Ma mère est restée marquée de ce départ-là parce qu'elle était à la maison quand la petite est partie, puis l'intervenante est partie avec la petite. Non. C'était ça le but à la base, d'aider les enfants en sachant qu'ils pouvaient partir. Le 20 décembre arrive et encore un lundi. Et je suis encore au travail. Et là, on m'appelle pour me dire, Mélodie, on aurait un placement. Un 20 décembre, quel âge? Elle me dit, un petit bébé. Il y a 11 jours. 11 jours, elle dit oui. Elle dit, la petite est hospitalisée depuis sa naissance. La petite est en sevrage. Donc maintenant, elle est assez apte. Le médecin a donné son OK pour sa sortie de l'hôpital. On est prête à partir pour les fêtes. Nous, on demeure. Nos familles sont à l'extérieur tous les deux. On n'est pas natifs de cette île. Fait qu'on est parti avec elle pour les vacances de Noël au Saguenay. Et là, t'appelles la belle famille, leur dit bon, mais on n'arrivera pas juste avec un enfant, on va en arriver avec deux. Je dis, ben moi, on a un petit bébé encore, un autre placement d'un petit bébé. Fait que là, elle est venue avec nous pendant les vacances au Saguenay, puis finalement, mais elle n'est jamais repartie. Et là, c'est ça, 25 de janvier, un soir de semaine, on est en train de souper à la table. Il y a
est environ 18 heures. Et là, mon téléphone sonne. Elle dit, il faudrait replacer le premier petit bébé que tu as eu. Là. Elle dit, mais il faudrait le replacer en famille d'accueil. Aujourd'hui. Et là, je suis là, à l'autre côté de la table, je regarde Frédéric, je dis, il faudrait la reprendre. Et là, Frédéric m'a regardé, m'a dit, on en a déjà un bébé. J'ai dit, je le sais. Et là, il m'a dit, mais c'est impossible, je pourrais pas ne pas la reprendre. Je peux pas croire qu'à 3 mois et demi, ce petit bébé-là serait déjà rendu à sa deuxième famille d'accueil. Et le lien de confiance était déjà établi auparavant avec ses parents-là biologiques. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Je dis, OK, c'est correct. Et là, merci au magasin d'être ouvert tard le soir pour dépanner les familles d'accueil à dernière minute. Et là, la petite, je sais pas, elle arrive avec quoi comme bagage. Donc, on se dépêche. Il est 18 heures, je laisse mon assiette, je laisse mon souper, faire les courses. Ça prend du lait, ça prend des couches. Je sais pas avec quoi elle va arriver comme bagage. Là, c'est la maman biologique à ce moment-là qui est descendue de son appartement pour venir mettre la petite dans ma voiture. Et là, c'est lourd, c'est chargé en émotion. Là, c'est un deuxième placement, même si la maman nous connaît quand même. T'sais. C'est son petit bébé, ça reste quand même son petit bébé de 3 mois et demi qui s'en retourne en famille d'accueil. Et là, moi, de regarder la maman et de lui dire, tu le sais que je vais en prendre soin de ton enfant. Elle dit, oui, je le sais, Mélodie. Et elle est encore à la maison aussi. Jamais repartie, elle non plus. Dans le cas des placements de bébés 0-1 an, normalement, après un an où les parents ne sont pas en mesure de reprendre leur enfant, à ce moment-là, il y a souvent un placement à majorité, un placement jusqu'à 18 ans qui va être accordé à la famille d'accueil. Ma mère, qui avait connu la grande tristesse du départ des parents la première fois, qui m'avait dit « Oh mon Dieu, Mélodie, abandonne le projet, ça n'a pas de sens, comment c'est difficile d'être famille d'accueil », et lui prouver qu'elle avait tort de continuer les démarches, de recueillir la petite à la maison, elle aurait pu repartir une deuxième fois. Va savoir, et là, de savoir que, tu sais, j'ai tenu mon bout, et la petite est revenue en placement, elle est revenue à la maison chez nous, et là, maintenant, on l'a jusqu'à majorité, jusqu'à 18 ans. Oh, mon Dieu, j'ai ouvert une bouteille de champagne dans les deux cas, pour chacune des filles. J'avais acheté des bouteilles de champagne rosées, et dans les deux cas, la journée qu'on a eu le jugement, on a ouvert la bouteille de champagne. Là, c'est officiel. Nos deux places sont prises. On n'a pas d'autre chambre de disponible. C'est fait. Maintenant, notre famille d'accueil n'est pas fermée, mais tu sais, notre famille est complète. Il y a quand même beaucoup, mais il en manque tellement. Il en manque énormément de familles d'accueil. Puis je comprends parce que c'est un don de soi un peu de devenir famille d'accueil. Mais c'est tellement une belle chose de le faire. T'sais, il en manque énormément. Puis malheureusement, il y a des enfants qui sont placés loin dans la famille biologique à cause de ça, à cause du manque de famille d'accueil. Des enfants de Sept-Îles qui sont placés dans le coin de Forestville, des enfants du Havre-Saint-Pierre qui sont placés à Sept-Îles. Il y en a plus d'une centaine de familles d'accueil sur la Côte-Nord, mais d'après moi, il en manquerait pas mal autant. Là. C'est un bilan très positif dans notre cas à nous, là. D'être famille d'accueil, ça a amené des grandes peines parfois, mais beaucoup plus de joie. Un bilan très positif de notre part à nous, les intervenantes, toutes les ressources qu'on a eues, honnêtement, là, j'ai vraiment rien à dire. On a été très, très bien accompagnés dans tout ce processus-là. Je le referais n'importe quand. N'importe quand. Je ne me verrais pas être autre chose qu'une famille d'accueil en ce moment. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui m'a poussée à le faire. Honnêtement, le go, OK, c'est parti, c'est là. Un désir d'accueillir un enfant. Puis je me dis, écoute, si on l'essaye pas, on ne le saura pas. À un moment donné, c'est ça. Faut que tu te donnes le go, faut que tu le laisses. On saute dans le vide, c'est le même principe que sauter dans le vide. Là. Tu sautes à pieds joints dans l'aventure, les deux yeux fermés, puis écoute, tu te dis, il arrivera ce qui arrivera, tout simplement. Thank you.